Je ne sais pas comment tout ça a pu se passer. Comment tout ça a pu arriver. J'ai essayé d'intervenir, mais... De toute façon... Est-ce que j'aurais pu vraiment faire quelque chose? Je pense qu'aujourd'hui, je vais changer un peu la disposition du salon. J'ai ma petite idée. Comme ça, ce soir, ça vous fera de la nouveauté. Je vais passer la confiture. Je reviens. Te chercher, je savais que tu m'attendais, je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher, mais tu vois, j'ai pas trop changé et je vois. Que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est plié, volé. Bonjour Alice. Bonjour madame. Ça va? Ben oui. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'était comme ça.
Oui. Ça y est, ils sont partis. T'es sûre? Oui. Maman en course, papa à son sport. Julien? J'ai vu ton professeur principal ce matin. Je pense que tu peux faire des progrès en physique. Ce trimestre, tu as eu 13, 11, 10. Tu m'as habitué à mieux. J'ai donc pris des cours supplémentaires, des cours de haut niveau. Ce sera le mardi et le jeudi soir. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mais normalement, le mardi soir, j'ai foot. Non, mais ce sera après le foot. Y a un problème? Non. Viens à taf samedi chez Thomas. Je sais pas. Bizarre, tu parles jamais de tes vieux. Est-ce qu'il a rien à dire? T'as toujours à dire. Julien, je suis devant la télé. Oui. Et tu viens? Tu montes dans ta chambre? T'as encore de la physique à réviser. Après, si tu veux, tu pourras jouer un peu de piano. Dépêche, Julien, tu vas rater ton quart. Eh, Audi. Je l'ai vu avant toi, ta zigounette. Hein? Je l'ai frotté, lavé une paire de fois, ton robinet. Enlève-moi ses mains. Tu sais, il n'est pas encore assez gros pour pouvoir me faire peur. Mais allez! Enlève-moi ça! Enfin, c'est quoi ce cinéma, Julien? Tu te caches de moi? C'est nouveau? Je te fais peur? Tu vas me les enlever, ces mains, oui? Ah.
Ah ben dis donc, c'est pas si difficile pourtant. Quelle histoire! Mon Dieu, quelle histoire! Toi. Tu vas au tennis ce soir? J'ai une revanche à prendre sur Thierry, il m'a mis telle raclée la dernière fois. 6-3-6-1, rien vu venir. Tu sais que c'est pour toi que j'ai fait ce gratin. Personne n'aime ça ici. Ni ton père, ni Suzanne. C'est pour toi que je l'ai fait. Bien sûr, il se nourrit avec ses chocolats, là, ses sucreries. Je sais plus quoi lui faire, moi, à ce gosse. Il te dit qu'il a pas faim, mais il a pas faim. Suzanne, je t'ai rien demandé. Julien, tu vas me faire le plaisir de terminer tout ce que tu as dans ton assiette? Ça me met hors de moi. Je peux venir avec toi? Je vais au sport, c'est tout. Ah oui. Je vais rentrer tard. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es rasé?
C'est pour offrir ? Non. Enfin, si oui, c'est pour offrir. T'es au courant pour ton frère ? Il paraît qu'il voit une fille ? Alors ? Non, je suis pas au courant. Julien ? Ça va ? Ça va. Et ces nouveaux cours de physique ? Bien. Bon. Attends ! Viens voir. Approche. Qu'est-ce que t'as fait ? Tu t'es rasé le visage ? Tu t'es rasé ? Mais comment c'est possible ? Comment t'as pu faire ça ? C'est grand-mère. Elle m'a offert un rasoir. Fais quand ? Ça se passe toujours bien ? De quoi ? Avec Alice. Bah ouais. Pourquoi tu me parles de ça ? C'est maman. Elle est venue me voir tout à l'heure. Elle a chopé une lettre. Une lettre d'Alice. Julien ? T'es rentré ? Et pourquoi tu réponds pas ? J'allais rentrer, mais j'avais sport aujourd'hui, j'avais foot. Et on m'a déchiré ma chemise. C'est pour ça que tu rentrais pas ? C'est pas grave, mon chéri. Tu sais,
c'est pour me dire quand il y a des choses qui vont pas. Tu l'enlèveras puis je te la recoudrai. J'ai décidé qu'on irait à la piscine tous les deux dimanche. Dimanche quand? Dimanche après-midi. Mais moi j'ai foot dimanche après-midi. Le dimanche après-midi? Ah oui, on a des séances en plus pour le championnat. Tu m'as rien dit? Mais j'allais te le dire, mais on l'a appris aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu préfères? Comment ça? Ben oui. C'est quoi le plus important pour toi? Un foot avec tes copains ou une piscine avec ta mère? Ben oui, mais c'est important pour notre équipe. Ben, tu peux leur dire que t'avais oublié que t'avais autre chose. Oui, mais l'entraîneur, il va pas comprendre qu'une piscine avec sa mère, c'est plus important que mon équipe et le championnat. T'es pas obligé de lui dire la vérité. C'est-à-dire? Ben, je sais pas, tu peux trouver une excuse. Tu peux inventer quelque chose. Oui, mais comme quoi? Ben, fais pas l'idiot. Tu peux lui dire, par exemple, que t'avais oublié que t'avais une réunion familiale. Mais tu veux que je lui mente? Tu sais, Julien, parfois, il vaut mieux dévier la vérité plutôt que de froisser des caractères susceptibles. Alors? Alors? Ben, d'accord. D'accord quoi? D'accord pour la piscine. Et si on s'en faisait un à nous, le foot? C'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Je peux entrer? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi. Et alors? C'est pour toi. C'est pour Pâques. Pâques? Mais c'est pas maintenant. Oui, mais je les avais achetés déjà il y a un bon bout de temps. J'avais peur qu'ils se gardent pas. Mais t'es pas bien? Ça va pas? Avec quel argent t'as acheté ça? Avec l'argent de poche que m'a donné papa. J'avais interdit de t'en donner ce mois-ci. Oui, mais c'était avant ton interdiction. Acheter du chocolat autant de temps à l'avance, mais t'es pas normal, mon pauvre Julien. Tu fais n'importe quoi? T'as perdu le sens des choses? Mais c'est pas ça que je t'ai appris, c'est pas ça que je t'apprends!
Allez, prends tes trucs. Reprends tes machins, là. J'en veux pas, moi, de tes chocolats. Disparais. File. Tiens, tu vas m'aider. Tu vas acheter ça dans la poubelle, elle est dehors. Ton père l'a sorti sur le trottoir. Maman veut parler deux minutes. Bien sûr. Je voudrais te parler de Julien. Tu sais, il est pas très bien en ce moment. Je t'arrête tout de suite, Suzanne. C'est pas toi de t'occuper de ça. Tu dis ça à chaque fois, maman. Julien, c'est mon frère et ça me concerne. Moi, je vois qu'il est malheureux, ça se voit. C'est pas normal à son âge. Mais regarde ce que tu fais. T'en fous partout! Tu vois pas qu'il va pas bien? Il mange pas, il parle pas. Suzanne, qu'est-ce que tu préfères avec ton lapin? Du riz ou de la purée? Du riz. C'est quoi cette chemise? Je l'ai achetée hier. Comment ça tu l'as achetée? Chez Videx. Sans m'en parler. C'est horrible ce bleu. C'est moche. Je crois pas que t'aies si mauvais goût. Bon, demain tu retournes au magasin et tu te la fais rembourser. Mais c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Ah ben ça, c'est pas mon problème. T'as qu'à prendre tes responsabilités. Va m'enlever ça tout de suite. C'est vrai, Julien, il est quand même pas très beau, ce bleu. Tu m'as entendu? Tu sais, mes parents, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Mon père, il bosse beaucoup.
rentre tard le soir. Et ma mère, elle s'occupe de la maison, c'est tout. C'est vrai ce qu'on dit sur elle? Qu'est-ce qu'on dit? Il paraît qu'elle est un peu bizarre. Elle vient souvent au collège voir les profs et elle vérifie aussi tes notes dans le cahier de principal. Non, elle est pas bizarre. Elle est un peu fatiguée. Elle a des problèmes de santé. Parfois, ça lui monte un peu à la tête, mais c'est tout. Tu lui as parlé de moi? Bien sûr. Et les cours aujourd'hui? Bien. Je suis bien avec toi. Tu frappes plus, toi, maintenant. Où sont les autres? Ils sont couchés. Julien pleure encore ce soir. Il pleure souvent. C'est un moment délicat, je sais. Tu dis toujours la même chose. C'est pas toujours facile, ni pour lui, ni pour personne. Moi, je ne suis pas beaucoup là, j'ai beaucoup de travail, tu le sais. Votre mère a beaucoup de mérite, elle fait ce qu'elle peut. C'est sûr, ne rien voir, c'est pratique. Écoute, Suzanne, arrête de la critiquer. Elle s'occupe de beaucoup de choses dans cette maison, elle le fait bien. Mais je parle pas d'elle. Tu m'as pas dit qu'une chambre se libérait à la cité universitaire? Si. Elle est libre après Pâques. C'est peut-être une bonne occasion, non? C'est peut-être bien pour tes examens à venir. Ça t'éviterait tous ces incessants allers-retours en train. Il est mal dans sa peau. Comme tous les adolescents de son âge. Mais non, lui, il est pas bien. Il est pas heureux. Tu le vois bien ou tu le vois pas, mais alors là, c'est que tu te caches la vérité, c'est que tu veux pas le voir. Je fais ce que je peux. Tu le sais très bien. Je fais le maximum. Julien aussi doit faire des efforts et je le lui ai déjà dit. Non, c'est plus grave que ça. Maman est dure avec lui, trop dure. Elle le pousse à bout et toi, tu fais rien. Qu'est-ce qui te prend, Suzanne? T'es obsédé par tes cours, par tes bouquins. On dirait que t'es plus intéressé par ton boulot que par ce qui se passe à la maison. Ça suffit, Suzanne. Je fais ce que je peux, je te l'ai déjà dit. Maintenant que tu me laisses, j'ai beaucoup de travail. Laisse-moi! J'ai besoin de travailler. Et pense à ce que je t'ai dit pour la chambre à la cité universitaire. Sur l'étagère, posée sur les nappes. C'est pour toi.
C'est un tout petit peu en avance, c'est pour Pâques. Il te plaît? Oui. Il est pas un peu grand? Non, ça se porte comme ça. Je suis inquiet pour Julien. Je crois qu'il ne va pas bien. Il pleure souvent, il est mal dans sa peau. Je pourrais entendre Suzanne. À moi aussi, elle est venue parler. Et? Il est très bien, Julien. Il va très bien. Il est très bien dans sa tête, ce garçon. C'est Suzanne. C'est elle qui ne va pas du tout. Tu t'es rendu compte de rien? Elle serait allée travailler tout de suite, on n'en serait pas là. C'est la fac. Je crois que ça ne se passe pas très bien. C'était pas une bonne idée. Suzanne, c'est pas une intellectuelle. C'est toi qui as voulu ça. Tu as insisté, tu voudrais que tout le monde te ressemble. Quand elle t'en avait parlé, tu n'étais pas contre. C'est toi qui l'as convaincue. Elle, elle parlait d'un BTS. Ça l'a fait grandir. Déjà, je trouve qu'elle est plus mature. Plus mature, c'est ça. Plus insolente, oui. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Tu lui as parlé au moins pour la chambre universitaire?
Comme vous le savez, nous avons organisé une semaine de contrôle. Et comme vous me l'aviez demandé, j'ai été particulièrement vigilante à propos de Julien. Alors, autant vous le dire directement. Et contrairement à tous ces derniers résultats, ceux-ci sont catastrophiques. Je ne comprends pas. Une fois sur deux, il n'a pas rendu sa copie. Et quand il l'a rendue, quelle que soit la matière, c'est hors sujet. Je suis d'autant plus gênée de vous dire tout ça que je sais à quel point vous êtes impliquée dans le suivi scolaire de votre fils. Enfin, j'ai convoqué Julien. J'ai essayé de lui parler. Mais rien. Il n'a rien dit, rien expliqué. Alors souvent, des chutes de résultats scolaires comme les siennes s'accompagnent d'un changement d'attitude. De la violence, parfois, de l'agressivité. Mais pas chez lui. Tout ça est bizarre. C'est comme tes plaques d'eczéma sur les cuisses. C'est nouveau, ça aussi. Et le dermatologue dit comme le médecin, c'est purement dans la tête. Donc il se passe quelque chose. C'est exprès pour me rendre inquiète, c'est ça ? C'est pour me rendre malade ? Mais non, il y a rien. Écoute, arrête. Arrête de dire qu'il n'y a rien. Alors ? Alors ? Bon. À partir de maintenant, je veux que tu rentres directement après tous tes cours. Je t'interdis de voir tes copains en dehors de la classe. Et je te supprime les cours de piano. Plus de sorties, plus de rendez-vous, plus de foot. Les visites chez ta grand-mère sont bien entendu supprimées. J'en ai marre de te voir ici. Au moins, ta grand-mère, c'était moins glauque. Mais elle est mal en ce moment. Mais elle veut voir personne. Ouais, ouais, c'est ça. Ou alors c'est encore autre chose. Je te préviens, Julien, pour samedi. La teuf de Sam. Tu te démerdes. T'as vraiment intérêt à venir. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus. On se retrouve les mains nues. Mais après la guerre, il nous reste à faire la Réponds-moi. J'ai vu ta voiture, je sais que tu es là. Je veux voir mon petit-fils. Tu n'as pas le droit de m'interdire de voir. Vraiment, tu es malade. C'est normal, ma pauvre fille. Thank you.
vient de chercher. Elle sait que t'es là, elle arrive. Je te jure, maman, je te jure, j'étais pas au courant. J'avais juste qu'il y avait une fête, c'est tout. Je lui avais dit de pas y aller. Je savais pas qu'il y serait allé quand même. Ça y est. Toi aussi, tu t'y mets. Pousse-toi. Pousse-toi, je te dis. Excuse-moi. Excuse-moi, pardonne-moi. Tu bouges pas. Je t'interdis de bouger. Lève-toi. Mets tes chaussons et tu descends dans la cuisine. Tu vas rester assis ici. Toute la journée s'il le faut. Je ne vais pas devoir bouger. Suzanne ? Je ne vais pas entendre un mot. Mais ça va être pire. Mais non, je crois pas. Viens. Je crois pas, Julien. Je pensais pas qu'ils accepteraient aussi facilement que je parte. Pour moi, c'est important. En cité universitaire, tout sera différent. J'ai besoin de ça pour mes examens. Quand ils vont se rendre compte qu'on peut partir comme ça, ça va les faire changer, forcément. Peut-être que maman se rendra compte à quel point elle tient à toi et qu'elle doit changer avec toi. Mais moi, je te dis que ça va être plus dur. C'est pas bien ce que tu fais. Jamais je te laisserai, Julien. Tu comprends? Jamais je t'abandonnerai.
faudrait faire quelque chose pour ta mère. Julien m'a dit qu'elle était au plus mal. Ben oui. Fais. Mais tu en as beaucoup ? Bah ouais, je les collectionne. Combien ? Avec celui-là, bah ça fait 7. Tous des pistolets d'alarme ? Ouais. Pour les autres, faut un permis de port d'armes. Mais bon, je suis trop jeune. Bah, tu sais, avec ça, tu peux déjà te barrer. Hein. Du genre ? Ah, je les trafique un peu. Celui-là, déjà. Il peut faire pas mal de dégâts. Il me semble que je t'avais demandé de rentrer dès la fin de tes cours.
C'est quoi dedans, de la cannelle? Ouais. C'est vraiment... J'adore, moi, c'est... J'ai mis un peu de vanille aussi. J'adore, ça. Alors, Julien, tu t'es fait beau pour l'anniversaire de ta sœur? C'est bon, c'est vraiment bon. Je suis sûr que ça allait vous plaire. Et la vie là-bas, c'est comment? C'est bien. Et la cité U? Ça me plaît. T'as des nouveaux copains? Non, en fait, c'est toujours les mêmes, mais comme je suis tout le temps avec eux, on se connaît bien. C'est mieux pour travailler. La maison, ça te manque pas trop, la maison? Tu sais, ça fait 2 mois que je travaille tellement que j'ai pas du tout le temps d'y penser. T'es là? Tu sais, j'ai une nouvelle copine à la fac. Zatia. Elle vient du Mali, elle est trop rigolote, elle te plairait. Et Alice? Comment ça va avec elle? Je sais pas. On se voit plus. On n'est plus ensemble. Tu sais, ça m'embêtait de pas venir pour l'enterrement de grand-mère. Mais j'avais pas le temps. J'aurais bien voulu, je pouvais pas. Non, non plus, j'y étais pas. Comment ça? Maman... Elle m'a dit sa mort. Qu'après son enterrement. Mais pourquoi? Sûrement pour te protéger. Et ta chambre, elle est fermée à clé? C'est elle. C'est elle qui décide quand je peux y aller. Votre fils nous a appelé pour nous dire qu'il voulait se tuer. Et quand? Tout à l'heure.
Julien ? Pourquoi tu ne m'as pas dit que ça allait mal au point d'appeler la police ? Bonjour, madame. Madame. Bonjour. Madame, votre fils nous a appelé pour nous dire que vous le battiez. Que je le battais ? Mais pourquoi t'as dit ça, Julien ? Oui, je l'ai un peu tapé. Tapé ? Tapé comment, madame ? Mais enfin, comme une mère peut se fâcher contre son fils. J'étais un peu énervée, c'est vrai, fatiguée sans doute. Enfin, vous voyez, il va très bien, je comprends pas. C'est la première fois qu'il fait une chose pareille, je comprends pas qu'il l'ait appelé, hein ? Oui, ce que vous dites, mon épouse, est tout à fait exact, enfin, rien de bien grave. Et vous, monsieur, vous êtes souvent là ? Vous travaillez ? Oui, je suis professeur d'université, j'ai beaucoup de travail, surtout en ce moment, c'est la période des examens, je ne suis pas beaucoup là, mais... Mon épouse ne travaille pas, elle s'occupe de tout ici et elle le fait très bien. Bon, nous voudrions parler seul avec votre enfant. Où est-ce qu'on peut s'isoler, s'il vous plaît ? S'isoler ? Oui, madame. Ici ? Non, une pièce fermée, madame. Mais c'est pas si grave que ça. Elle m'a pas fait si mal que ça. Et c'est quoi, pas si mal que ça ? C'est un peu mal ? C'est un peu beaucoup ? Non, c'est... C'est pas du tout mal. Ton père était là ? Oui. Mais lui, il te frappait pas ? Non. Est-ce que c'était déjà arrivé avant ? De quoi ? Que ta mère te frappe ? Non, c'est la première fois. Montre-moi l'autre. Tourne-toi. Vas-y, je vais regarder ton montre. Nous n'avons rien constaté qui vous obligerait à nous suivre au poste. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. C'est bon, madame. Je vous le répète, mon épouse nous l'a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Tout va bien chez nous. Au revoir, monsieur. Au revoir, merci.
Dis-moi, ce pull, d'où ça sort? Je t'ai posé une question, Julien. Les pauses se jouaient tout de suite. Julien! C'est bien joué. Allez, ça suffit. Arrête! Arrête, tu m'entends? Tu me réponds? Je vais te tuer. Dis-moi. Il vient d'où ce pull? N'avance pas. Les déménageurs l'ont trouvé dans le piano. Tu le cachais? Il vient d'où? Je t'ai posé une question, Julien. Tu sais, je peux le faire. Dis, ça suffit, ton manège! Tu vas me répondre, oui! Ta grand-mère, c'est ça? Alors? Très bien. D'ailleurs, il n'est pas très beau. Non! Tu veux me tuer? Vas-y. Tue-moi. Tu peux me tuer, Julien. Oui, Julien. Tue-moi! Tue-moi! On a retrouvé Julien blotti dans l'escalier. Il n'a rien dit. Il n'a rien expliqué. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Les jours de ma mère ne sont pas en danger. Aujourd'hui, elle a pu parler. Elle nous a dit qu'elle ne lui en voulait pas. Choke a lonely, melting on your fingers. Please don't let me flee. Dream a dream of me, you little wonder. Choke a lonely. Dream of me, my little wonder. Focus on the life that we live before.
chocolate.